Bienvenue à vous tous à cette soirée qui est particulière et qui est unique. Nous assistons à la cérémonie qui boucle complètement la boucle de la saison 1 de Maja Boutalent. À l'issue de cette soirée, nous ne parlerons plus des candidats Mahjabou, mais nous aurons des artistes Mahjabou. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? J'aimerais ici remercier tous nos anciens candidats et féliciter leur parcours, leur bravoure, leur patience. Aujourd'hui, cette cérémonie, c'est pour couronner tous vos efforts. Avant d'avancer et d'aller plus loin, c'est un devoir de dire merci à Dieu qui nous a remplis d'énergie et des forces. C'est lui qui a donné la vision et la provision pour permettre à Mahjabou Boutalent d'être ce qu'il est aujourd'hui. Je vais donc devoir inviter le pasteur Jody Mbala pour la prière d'ouverture. Sous vos applaudissements, le pasteur Jody. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, c'est la fête, mais là, maintenant, on est dans la prière. Alors, je me permets de dire encore alléluia. Alors, on peut se lever un instant. On va rendre grâce au Seigneur. Matondona yonkolo Pona bola mu wayo O fungoli biku Ke wayo kolo O pesi biso Jela yako Kota na ima Kosimba Yemba nanga Ona ye Na ye Sonanga Tokotato Kombona yo Nzambe Seko na seko Seigneur, ce soir, nous avons raison de le faire. Nous avons raison de chanter tes louanges. Nous avons raison d'élever ton saint nom. Après plus ou moins une année de parcours, aujourd'hui, tu nous fais la grâce de clôturer cette première saison de Mahjabou Boutalent. Seigneur, personnellement, je me souviens de chaque matin où nous venions en ces lieux ou de l'autre côté dans nos bureaux, demandant ta grâce, demandant ta faveur, demandant ta protection. Et aujourd'hui, je me rends compte que toutes les prières que nous avions faites ont été exaucées. Éternel, en nous voyant en ces lieux, nous ne pouvons que te dire un grand merci. Ce soir, avant de te demander d'être avec nous dans cette soirée, nous voulons te demander de recevoir nos remerciements, de recevoir nos actions de grâce. Oui, Seigneur, ces acclamations, lorsque tu les entends, nous avons raison de le faire monter vers toi. Nous t'acclamons parce que nous savons, nous avons raison. Le succès de Mahjabou Boutalent, c'est à toi que nous le devons, Père. C'est toi qui as tout fait. C'est toi qui as tout accompli, Papa. Éternel, nous avons raison de t'acclamer encore. Nous avons raison de t'acclamer encore et encore. Ce soir, merci. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre savoir-faire, ce n'est pas, ô Éternel, notre expertise, c'est ta grâce sur nous qui nous a emmenés jusqu'en ce soir, en ces lieux.
Sois béni notre Dieu et notre roi. C'est toi qui as donné l'idée, c'est toi qui as donné la pensée, le moyen. Et aujourd'hui, nous voici à la fin. Tu as dit à Israël, écoute, toi, maison de Jacob, toi que je t'ai pris, toi que j'ai pris dès la jeunesse, dans ta vieillesse, je serai le même, je te prendrai encore en charge. Seigneur éternel, nous croyons que si tu as marché avec nous pendant tout ce temps, maintenant que nous sommes en train de finir, tu es encore avec nous ce soir. La Bible dit que si les prémices sont sanctifiées, la masse l'est aussi. Nous croyons que puisque cette première saison a été sanctifiée par toi, nous voyons déjà à l'horizon combien les prochaines saisons sont bénies. Merci Seigneur éternel parce que Majabou ira de gloire en gloire. Éternel mon Dieu, tes projets de bonheur et de paix n'ont pas changé en notre faveur. Ce que tu t'es décidé de faire avec, au travers de nous, tu le feras. Nous bénissons cette soirée et nous croyons que tu es le maître de tout. Règne en ces lieux, prends toute la gloire, Papa. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous entrons dans les vifs du programme de cette soirée et je vais devoir inviter les directeurs techniques de Majabou Gospel, M. Aristote Zouzi, pour le mot d'ouverture. On applaudit M. Aristote, s'il vous plaît. Bien-aimés frères et sœurs, distingués invités, chers anciens candidats à Majabou Talent saison 1, chers artistes, chers coachs, chers pasteurs, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, shalom. C'est à la fois un honneur et un bonheur pour moi de présider ce soir la cérémonie qui consacre l'intégration dans la grande famille Majabou de ces jeunes talentueux en tant qu'artistes au sein du label Majabou Gospel. Je vais demander une première faveur à l'assistance qui est celle de faire monter une clameur de joie en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Prière de reprendre nos places. La deuxième faveur que je vais vous demander ce soir, c'est de souffrir que l'essentiel de mon discours s'adresse aux artistes que nous accueillons aujourd'hui dans la grande famille Majabou Gospel. Chers artistes, vous êtes la matérialisation d'une pensée, ou mieux d'une vision que le Seigneur a placée dans le cœur du couple Bondo il y a quelque temps. Cette vision consistait à pouvoir tendre une perche vers les sans-voix afin de leur accorder un espace d'expression. Grâce à Dieu, nous avons poursuivi sans désemparer cette vision, bravant les obstacles liés à la grandeur de la RDC, pays aux dimensions continentales, faisant fi des difficultés logistiques que présentent certains coins du pays. Nous n'avions alors qu'un seul rêve, aller à la pêche des talents. Aujourd'hui, lorsque je vous regarde, je peux dire gloire au Seigneur. Quelle symbiose des talents vous faites. Chacun de vous est une perle, une pierre précieuse, un vrai talent, mais au-delà de tout, une flèche dans le carquois de Dieu. Vous avez eu le temps d'être suffisamment aiguisé et aujourd'hui, vous êtes certainement prêts à être lancés dans le monde. Chers amis, vous avez chacun un mandat. Ce mandat consiste à ne pas détruire la grâce que vous avez reçue, mais ce mandat, ce n'est pas moi qui vous le donne, non. Ni encore moins le président ou la DG de Majabou Gospel. Vous avez reçu commission de celui qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, qui dit ceci dans sa parole, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Dans ce nouveau contrat qui nous lie à partir de ce soir,
Notre part consistera à vous rappeler votre mandat tout en faisant ou tout en vous fournissant l'environnement nécessaire pour favoriser la floraison de la semence qui est en vous. Votre part du contrat sera de glorifier Jésus, le manifester au travers des œuvres et de faire des disciples. Chers artistes Majabu dorénavant, et ici, je pense même aux 8 artistes que nous avions avant d'ajouter cette première cohorte Majabu Talents. Conscients du travail qui nous attend, nous avons enrôlé dans notre équipe des hommes habiles formant désormais le département de management et de direction artistique. Nous souhaitons bon vent à cette nouvelle équipe. Permettez-moi de vous rappeler que vous êtes le miroir et le reflet de ce que Majab. Le monde nous regarde, le monde vous attend. Alors, qu'allons-nous faire? Je vais trouver la réponse dans ces paroles du Christ qui dit « Vous êtes la lumière du monde. C'est ainsi qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mon souhait pour vous est que la lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vous souhaite plein succès dans ce nouveau parcours qui s'ouvre à vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Dété. À présent, mesdames et messieurs, nous allons passer un merveilleux moment en musique. Ceux que nous signons sont artistes, musiciens. Quoi de mieux pour nous prouver leur talent que de jouer quelques notes? Ils ont participé à la compétition, mais certains d'entre eux se sont arrêtés à une étape comme à une autre. Mais ce soir, ils sont prêts à nous prouver l'immensité et l'étendue de leur talent une fois de plus. Je vais vous prier d'accueillir avec applaudissements les 47 talents Majabu Talents. Le nom qui donne la paix, le nom de Jésus. Qui m'a sorti du péché et qui a fait de moi enfant de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chante avec moi, Jésus.
Plus fort que ça, s'il te plaît.
Mamelio na motema Na bombi motema tena Mamelio motema na mapoko Yawe Na beti lo mololo mololo awa Mololo mololo awa Oboka na mbo Yawe Oyo na zaoto zawa ya zaoto Pesi yolo kumwe Yonde yanga bita Ikoloba embio na se Pena mabele Otombo lyo zambe Oboka na masango lye Yawe na ngayo Yawe maboko na mololo Oboka na masango lye beaucoup. À présent, nous allons assister à un moment d'échange, des questions-réponses entre la direction de Mahajabou et nos amis de la presse qui sont là ce soir. Et donc, cet échange va se passer entre M. Aristote Nzuzi et la presse que l'on a invitée ce soir. On va prendre des questions de la presse. Merci beaucoup. C'est Neftali Bouamoutala pour les comptes de la RTGA. Vous avez parlé de la signature de contrat avec les candidats. Comment vous allez procéder? Est-ce que tous les candidats auront le même contrat ou c'est spécifié? Peut-être une sous-petite question. Les contrats et pour quelle durée? Merci. Merci, madame. On va prendre la deuxième question et ensuite... Le directeur va répondre. Je suis Guy Moudiaï pour actualité.cd. Ma question, c'est par rapport à la promotion. Comment comptez-vous promouvoir les artistes? Et puis, quels sont les types de catégories pour chaque artiste? Est-ce que ce sont les mêmes contrats ou chaque artiste a sa propre catégorie? Merci beaucoup. Les questions se recoupent. Je vais passer la parole au directeur Aristote pour les réponses.
Voilà, je vais commencer par la première. Merci pour cette question. La signature, c'est se passe comment? Bon, déjà, on a prévu. Majabou, on l'avait bien annoncé, si vous avez encore bonne mémoire depuis les débuts, que nous n'avons pas de perdants. Déjà, ça, c'est de 1. Ce qui fait que nous avons parlé dans notre discours au début ici que toute cette cohorte va signer le contrat. Donc, nous récupérons tous les 59 candidats qui vont devoir signer le contrat de Majabou ce soir. Alors, dans cette question, il y avait une sous-question. Les contrats sont de quelle durée? Vous avez, je crois, on l'a déjà balancé dans notre spot qui démontrait même comment allait être le prix des gagnants. Il y a des contrats de 3 ans, il y a des contrats de 2 ans, tout dépend des catégories. Ça veut dire si tu es le gagnant, le premier, il avait tous ces prix-là. Donc je vous donnerai juste qu'on fasse une vidéo sur YouTube qui décrypte tout cela. Donc voilà, s'il faut répondre à cette question. La deuxième, par rapport à la promotion, je crois que Majabou Gospel se veut d'une maison de production, bien je le dirais, d'un label digne de son nom. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette équipe qui a été mise en place, du management et puis de direction artistique, qui est juste à la tête de 4 personnes, s'il faut le dire. Mais derrière eux, vous allez comprendre qu'il y a toute une grande équipe qui est en train de travailler sur la promotion et puis l'avancée de ces candidats-là. Donc voilà pour ces questions. Merci Dété. Je vais prendre la deuxième série des questions. Je prends madame et je prends monsieur Nati. Je suis madame Melissa Kachama du compte de la RTNC. Ma question est la suivante. Après la signature du contrat, après le 3 ans, 2 ans, c'est selon les artistes. Ces artistes vont rester définitivement artistes Majabou ou ils peuvent aller avec d'autres managers, d'autres producteurs? Merci. Je me prénomme Nati, je me nomme Lokolé. Je suis de Digital Congo et de ma propre boîte NL Lokolé TV. Vous avez exigé assez que nous puissions poser une seule question. On est un peu déçu quand on est limité, mais on est obligé aussi de se plier. Je me plie pour poser une seule question, qui est la suivante. Majabou Gospel, que vous le vouliez ou non, ce sont les gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et au milieu du contrat, il peut y arriver quelque chose du genre, le gars ne reçoit plus, mais il déçoit Jésus. C'est-à-dire, il change de camp. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les chasser ou il va continuer avec le contrat parce que le talent est là? Merci. Merci beaucoup, M. Nati. Ok, merci. Je veux prendre la question de Mme Elissa, RTNC. Après la signature de ces contrats, les artistes restent définitivement artistes Majab ou bien peuvent aller ailleurs? Bon, je crois qu'on a eu suffisamment le temps pour expliciter cela. Pendant ce temps où nous sommes avec eux, ils restent définitivement artistes Majabou. Alors, la manière dont nous travaillons, nous ne voulons pas perdre quelqu'un parmi nous. C'est-à-dire, l'idée est de les garder, c'est-à-dire selon les années contractuelles, s'il faut le dire, les années qui nous lient à ces candidats-là ou à ces artistes. Mais après, tout dépendra de comment nous allons marcher. Mais nous, notre philosophie est de garder ces talents parmi nous. Peu importe, je peux dire, les années qui viendront selon les différents projets. Parce que je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Au-delà des albums ou soit des singles qu'on leur a donnés, il y en a qui ont 7, 6, 5 et ainsi de suite. Il y en a qui ont 2 chansons. Nous leur avons plutôt ouvert une brèche qui est celle de nous apporter encore d'autres projets au-delà même du contrat que nous avons avec eux. Donc pour dire que Majabou, déjà, leur donne cette opportunité-là de les garder et de ne pas les perdre. Voilà pour cette question. À la question de M. Nati de Digital, si un candidat arrivait à se méconduire tout le long de pendant qu'il a un contrat avec Majabou, je crois qu'il y a des sanctions.
Madjabou, déjà comme dans une vision, j'aimerais le dire comme ça, ecclésiastique, il y a une manière de punir, une manière de sanctionner. Nous procédons selon la parole de Dieu, s'il faut le dire. Nous allons approcher la personne qui a fauté, et en l'approchant, s'il n'écoute pas, nous appliquons cette méthode de la Bible, donc jusqu'à ce qu'il reviendra sur la bonne voie. Et si la personne n'écoute toujours pas, c'est en ce moment-là qu'on peut les libérer. Mais cela dépend aussi des erreurs ou bien des fautes. Mais déjà par rapport au coaching qu'ils ont eu, par rapport aux enseignements qu'ils ont eu, je ne pense pas, on ne souhaiterait pas que cela puisse arriver. Mais si cela arrivait... Je le disais, on ne souhaiterait pas que cela puisse arriver, mais si cela arrivait, je crois qu'il y a des sanctions qui sont là, parce que, comme on le dit, qui aime bien, châtie bien. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'été. Nous allons passer un merveilleux moment en musique. Ils ont participé à la finale, mais n'ont pas eu l'opportunité d'être parmi les quatre gagnants. Cependant, il reste des artistes merveilleux et hors pair. Ce soir, eux aussi ont concocté pour nous un plat, parce que nous sommes dans une fête. Nous allons déguster à présent les plats concoctés par les 8 finalistes de la première saison de Mahadjabou Talent, que je vous prie d'accueillir avec des applaudissements. Est-ce que quelqu'un peut bouger pour le Seigneur? Kumisama Namaso sale ringai na pesa na leonini kamata se monte mana. Ah, Jésus.
Mais ce sont des champions. Chers amis, ensemble, est-ce qu'on peut faire juste la dernière partie et la danse de l'apôtre Josué? On y va. Chers talents, vous êtes magnifiques et merveilleux. Je suis tellement habitué à vous appeler chers talents. Ce soir, je devrais me faire à l'habitude de vous appeler chers artistes. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même, s'il vous plaît? Vous êtes merveilleux, vous êtes magnifiques. On a passé ensemble des très longs moments avec ces artistes. Et Madjabou a marqué l'histoire, les parcours de certains d'entre eux. Les témoignages sont nombreux. Nous aurons l'opportunité d'en écouter ce soir deux. L'impact de ce que Madjabou a apporté dans la vie de ces jeunes gens. Au-delà du fait d'être vu à la télé, au-delà d'avoir participé à une aventure merveilleuse, il y en a qui sont restés avec des traces indélébiles du passage des Madjabou dans leur vie. Et ce soir, ils ont accepté de partager leur témoignage avec nous. Très courtement, nous allons écouter deux d'entre eux, les candidats de Chris Bongo de Kinshasa et la candidate Grace Chimanga de Goma, que je vous prie d'accueillir sous vos applaudissements. Madjabou Talent. Je reçois donc Décris Bongo Swami. Bonsoir Décris. Ça va? Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter comment tu t'es retrouvé à Madjabou? Ben, j'ai suivi la procédure, comme tout le monde. J'avais vu les annonces. Il fallait envoyer une vidéo en interprétant la chanson d'un ambassadeur. J'ai prié et l'Esprit de Dieu m'a convaincu de venir au concours. Très bien. Et lorsque tu es arrivé au concours, tu es passé par toutes les étapes. Je suis sûr que ceux qui suivent Madjabou depuis le début reconnaissent très bien Décris. Quel est le témoignage particulier que tu aimerais partager avec nous ce soir et même avec tous ceux qui nous suivent depuis la maison? Mon témoignage, en quelques mots, je vais l'intituler « Croire en sa vision ». Pourquoi ? Parce que
personnellement, avec mes proches et même dans ma famille, personne n'est pensé que je pouvais un jour émerger dans la musique. On pensait que je m'amusais. Et il y a même certains qui m'ont dit « Non, abandonne la musique, cherche-toi un boulot comme tout le monde. » Parce que dans la musique, il n'y a pas d'avenir dans ces pays. Mais intérieurement, le Seigneur m'avait dit « Toi, tu es un chantre que j'ai choisi. Ta mission, c'est le chant. Et c'est dans ça que tu vas émerger. » J'ai été traité de tout. Même quand je me débattais, aller dans des répétitions, même dans ma famille, personne ne soutenait parfois ce que je faisais. On me prenait pour un garçon. Bon, tout à la enano, bah venti oiseau sala, tout à la non façon et salema. Mais aujourd'hui, je dirais que ma djabou est la concrétisation du plan de Dieu pour ma vie. Parce que depuis tout petit, je disais souvent qu'un jour, je chanterai dans des grandes salles. Je louerai le Seigneur dans des endroits sophistiqués et aujourd'hui, je suis là. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon témoignage « Croire en sa vision ». Très bon témoignage. Merci beaucoup, Décris, toi en qui personne ne croyait, mais qui, grâce à Mahadjabou aujourd'hui, attire le respect et les regards du monde. Merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce qu'on peut applaudir pour Décris, s'il vous plaît? Grâce, c'est donc une des pépites que nous avons piochées à travers la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Bonsoir, Grâce. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Bienvenue à ces plateaux spéciaux dédiés aux témoignages des talents qui ont fait leur parcours dans la première saison de Mahadjabou Talent. Quels sont les témoignages que tu veux partager avec nous ce soir? Il y en a plein, mais je vais me limiter par un seul. Il y en a plein, mais tu vas te limiter à un seul. Pourquoi seulement un seul? Parce que c'est le plus vivant et visible. Les plus vivants et les plus visibles. Oui. Ok, raconte-nous. Ceux qui me connaissent avant savent de quoi je veux parler. Avant, je marchais avec des béquilles, mais aujourd'hui, je peux marcher seule, sans béquilles. Je peux me déplacer sans béquilles, sans aucun problème. Gloire au Seigneur. Et comment cela s'est passé? C'était un jour dans une retraite avec les pasteurs, merci beaucoup, avec les pasteurs de Mahadjabou Talent, y compris le président de Mahadjabou Talent, avec les candidats aussi. On priait. Après, le pasteur Jody et le président ont commencé à prier, et les autres pasteurs, ils m'ont tenu les pieds. Ça m'avait un peu touchée, je sentais des chairs de poule, il y avait de fourmis qui passaient dans mes pieds. Mais gloire à Dieu, je me suis tenue debout, marchée seule, j'ai commencé même à monter les escaliers sans pour autant avoir un problème. Merci beaucoup, Grâce. Magnifique témoignage, touchant et poignant de ce que la main de Dieu peut faire à travers des occasions comme celle-ci. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci, Grâce. Nous allons recevoir le quatrième, le troisième et le deuxième. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir avec des applaudissements Manasseh Sinda, Emmanuel Matondo et Ruth Kimongoli. Agissons parmi nous.
Alisi, Mobiki si, hey, Nazoni yole lo. Yeah.
la présence de maman Anto, hein. Pesana yote, mauni nanga ya motu yande yo. Iyo kanga langa na monyango yo, ya moini satana nanga. Saito linga na motima, ofoninga ukata beto ebele. Tala na zangi malobako talisa, besengo na zililu yo. Yo como na kamite mabato mona yesengwa motema namba komo tika lo yimbunanga isimba motema na yo elombe nanga Merci.
ce monsieur, Pamoja, c'était Manasseh Sinda, Emmanuel Matondo et Ruth Kimongoli. Merci beaucoup, chers amis. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux pendant qu'ils regagnent leur place? À présent, mesdames et messieurs, pour clore avec la série des prestations ce soir, je n'ai rien dit. Mesdames et messieurs, pour clore avec les prestations de ce soir, Pamoja, je vous prie d'accueillir le premier ambassadeur Madjabou Talent, monsieur Alain Paloukou.
Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il me donne de me tenir au devant de vous. Qui suis-je? Une simple personne qui n'avait pas d'adresse, qui n'avait personne qui pouvait plaider pour lui. Dieu m'a tiré de loin là où personne ne pouvait regarder. Peut-être si tu pouvais me regarder il y a une année passée, tu n'allais pas même m'envier. Mais Dieu m'a donné la grâce. Je bénis l'Éternel Dieu qui m'a mis dans le chemin de Mahadja Boutalent. Je bénis Dieu, lui qui a créé son serviteur et sa servante, Papa Roy et Maman Mariam, et a mis en eux cette vision de Mahadja Bou. J'ai béni toute personne et je remercie alors toute personne qui m'a soutenu. Je peux vous les rassurer, je ne suis pas spécial plus que mes chers frères et sœurs artistes qui ont compéti dans cette compétition. Mais Dieu a voulu juste par sa grâce, une toute petite grâce que ce soit moi pour cette tour, pour cette fois. J'ai béni toute personne qui m'a soutenu par des votes, de partout là où tu es. Avec tous les respects que je te dois, je supplie à mon Dieu de te bénir. Je remercie Dieu d'avoir créé ma mère, elle qui a toujours été là pour moi, la seule et l'unique personne pour me soutenir, pour arriver jusqu'ici. Ma mère, là où tu es maintenant, étant vivante, que Dieu te bénisse. Ni t'étais elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Ma grossesse a été combattue par des personnes qui voulaient faire boire ma mère des choses pour avorter la personne que vous voyez devant vous. Parce qu'ils ne voulaient pas que je naisse, mais Dieu ne l'avait pas permis. Toi qui m'écoutes, sache que la grâce de Dieu, c'est la seule chose qui peut te prendre là où personne ne pouvait te voir et te mettre aux yeux de tous. Je remercie Mahadja Bou pour la formation qui nous a été donnée pendant tout ce moment. Formation d'anglais, français, informatique, management et la plus grande des choses, la formation spirituelle. Mahadja Bou a fait de nous des vrais adorateurs. Il y a la différence entre être adorateur et un vrai adorateur. Il y a la différence entre servir Dieu et connaître les dieux que tu sers. J'ai béni, j'ai pas le droit de bénir le pasteur, mais je remercie Dieu pour leur présence. Papa Prosper, Papa David, il y a Papa David Lelo, Papa David Aeka, Pasteur Landry, un bon pasteur, un bon formateur, Papa Jody. Je ne peux pas manquer à remercier la présidente de Malaika House, Maman Pamela. C'est une maman pour nous. Je bénis l'Éternel. Je salue avec tout honneur et respect les artistes. Bon, ils étaient candidats, mais je ne peux pas me permettre encore de les appeler candidats. Les artistes de Mahadja Bou, je vous salue. Nous sommes une famille et je vous aime beaucoup.
Je voulais dire bon appétit. Ah, certaines personnes n'ont pas compris. Bon appétit. Lobango na Octave Alicolo. Bon appétit. Merci. Nazare reconnaissant na nyonso zo sale la ngai. Passé na ngai, présent na ngai, zangolo. Namaso asala Nazare connaissant Nabola mon zambé Nazare connaissant Bisika lukuta na yo Nazare connaissant Asale langa bola muna kukiko bomangote Nazare connaissant Random man on na koma mo salina ye Sala namans nazali nabola moi papa nazare reconnaissant namans salai nazar nabola moi nzambe encore nazare reconnaissant namans nazali Na bola monzambe et puis bona nini te na emba bona nini te na emba bona nini te oyo asala ele kebele
kota na fulu asukuli na yoyo na kosala ba fiere bona nine na miyebia kala pe oyo na komi lelo asam osana osana e osana e osana before osana. Fais-le bien. Hosanna. 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 Nazali. Pour cette prestation pleine de reconnaissance. Alain, ça va ? Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement, très très brièvement, ton histoire avec la musique ? Comment tu t'es retrouvé dans la musique ? En bref, je me rappelle que ma mère, pour la toute première fois, m'avait proposé d'aller à l'église. Comme vous le savez, peut-être que tout le monde est passé par là. Comme un enfant, je pouvais prendre ça comme me dire aller à l'école. Et je suis parti comme ça à l'église. J'ai commencé à fréquenter l'église et j'ai commencé à chanter dans la chorale Sunday School. Après un certain moment, j'ai commencé à diriger la chorale des enfants. Par la grâce de Dieu, après un certain moment, j'ai commencé à diriger la chorale des enfants et des jeunes. Après, je suis monté dans la chorale des grands jeunes. J'ai commencé à diriger la chorale des enfants, des jeunes et des mamans. Et ma mère était parmi les chantres de la chorale des mamans. Bref, un jour, ma mère, dérangée dans la répétition, avec tous les respects, Naïbisaki, maman, s'il vous plaît, rentrez à la maison.
Ça, je vous dis, devant Dieu et ses serviteurs, ma mère s'est tenue debout. Elle est partie à la maison pour dire qu'elle est, elle est ma mère. Elle restera ma mère. Mais quand je suis là devant, je suis son président. Exact. Quand même. Bref, Dieu m'a fait grâce. Je suis devenu le président de la louange et l'adoration dans mon église. Je me suis fait baptiser l'année 2008. J'ai reçu le Seigneur. Mais j'ai chanté déjà à l'église, mais quand même, je pris conscience d'être chrétien 2008 pour me baptiser. Et j'ai commencé à servir l'Éternel. Une parenthèse. J'espère que bon nombre de vous pensent que je suis seulement le messie des Héréré. Mais je suis un conducteur de kilt parce que je suis aussi un formateur de chorale et de conducteur de kilt aussi. Je sais faire l'adoration, la louange, je sais les principes et j'espère bientôt par la grâce de Dieu, mon album va sortir et vous allez encore découvrir qui est Alain. Mahadjabou a vu plus loin que ce que je pouvais donner ici. Et vous, vous avez cru en moi. Vous m'avez soutenu parce que vous avez encore vu plus loin que ce que j'ai donné ici. Et bientôt, vous allez le découvrir. Merci beaucoup. Merci Alain. Nous allons passer à un des moments clés et importants pour lesquels nous sommes là ce soir. La signature des contrats. Je vais inviter l'ambassadeur Alain Paloukou ainsi que les directeurs techniques Aristote Nzouzi pour la signature du contrat d'Alain. L'ambassadeur Alain qui procède à la signature de son contrat en tant qu'artiste Mahadjabou. Le contrat qu'il signe lui donne droit à la production d'un album de 7 titres, l'enregistrement, la promotion et la distribution de cet album, une série de tournées en République démocratique du Congo et en dehors de la République démocratique du Congo, des collaborations avec des artistes nationaux et internationaux. Merci beaucoup. Ruth Kimongoli, Emmanuel Matondo et Manasseh Sinda, je vous prie de vous installer, s'il vous plaît, chers amis. Vous allez retirer chacun une farde et procéder à la signature de vos contrats. Je tiens à rappeler ici que Ruth Kimongoli a droit à un album de 6 titres. Ce contrat lui accorde également les privilèges des promotions, des distributions de son album, des featuring avec les ambassadeurs, une tournée dans la ville de Kinshasa, un chèque surprise et bien sûr la Kia Picanto 2021, comme vous le savez. Le contrat de Ruth est d'une durée de 3 ans. Emmanuel Matondo signe un contrat pour la production d'un maxi single de 5 titres avec enregistrement, promotion et distribution. Son contrat couvre une période de 2 ans. Il a reçu un chèque surprise et bien sûr la Kia Picanto 2021. Quant à Manasseh Sinda, il signe pour un maxi single de 4 titres, y compris la promotion, la distribution de ses maxi-singles, un chèque surprise
Et bien sûr, la Kia Picanto 2021. Les partenaires présents dans la salle, je vous prie d'approcher. Et je vais également demander à Madame Altesse de préparer les cadeaux venant de nos partenaires à remettre aux quatre gagnants. Les partenaires dans la salle, je vois Rockaline, je vois LNB, Congo Airways, Wilfit. Rabi Mouya, Stevie Masamuna, Christian Mukuna, Grâce Mouadi. Venez, chers amis, installez-vous. Les contrats qu'ils signent leur donnent droit à l'enregistrement, la promotion, la distribution des deux titres et aussi un pass VIP au studio Neema by Majabu et des tournées dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Et bien sûr, un chèque surprise. Merci, si vous avez fini de signer, vous pouvez vous tenir debout et faire la photo. Des signatures des contrats des 59 nouveaux artistes Majabu Gospel. C'est donc par ici que nous bouclons totalement cette merveilleuse aventure Majabu Talent que nous avons débuté il y a de cela près d'une année. Vous avez été des milliers à nous suivre le long de cette aventure et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Majabu TV, sur notre chaîne YouTube Majabu Gospel, sur l'ensemble de nos chaînes partenaires à travers la République démocratique du Congo. Ça a été une très, très belle aventure. Nous allons nous retrouver très prochainement pour des aventures tout aussi merveilleuses que prometteuses comme Majabu Talent. Mais en attendant, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.